je pense que tu n'allais pas te comporter de la sorte. Oui. Je pense que tu n'allais pas te comporter comme un client à la recherche. Ça veut dire un vendeur de pain à la recherche de son client. Ta cliente là, c'est Aya Robert. Ta cliente, c'est quelqu'un même qui ne lave pas son miel de comment on appelle ça, du matin jusqu'au comment on appelle ça, à décembre, au 31 décembre. Tu vas venir t'asseoir et la mettre, je sais pas en fait, Aya Robert la même c'est quoi? Moi en fait ce qui me fait mal, Aya Robert la même c'est quoi? J'en perds les mots tellement, en fait, votre histoire me dépasse. Parce que je ne comprends pas comment vous, qui venez parler sur Maman Bleue Brigitte, vous pouvez vous aussi avoir des parents. Votre histoire me dépasse. Jusqu'à je ne sais pas quelle injure je vais sortir de ma bouche. Tellement que ça me dépasse, Jessie J. Je ne sais pas ce que je peux dire de vous. Tellement que je suis dépassée. Tellement qu'on est assis par terre, on est choqué, on est dépassé. On dirait que vous, là, tous vos, savez, vos parents ne sont plus. Savez-vous tous qui parlez là? On dirait que vos parents ne sont plus. Partagez le direct, s'il vous plaît. Jessie J. Tu sais, j'ai vu la dernière fois quand je suis venue te répondre, j'ai vu ta soi-disant femme là faire un direct sur moi. Il a fait vue et ignorer. Parce que je ne donne pas nom aux souris. Elle avait besoin de fromage. Sauf que moi, j'ai pas de fromage en stock à la maison. Donc, je pouvais pas venir déposer du fromage pour lui donner. Donc, faut lui dire que si elle voulait du fromage, là, qu'elle aille bécoter fromage avec la poclée de Aya Robert. Mais sinon, moi, là, il n'y a pas fromage chez moi. C'est Aya Robert qui lappe mangue. Sinon, moi, il n'a pas mangue. Oui, oui. C'est Aya Robert qui lappe mangue. Sinon, moi, il n'a pas mangue. Donc, si elle a besoin que quelqu'un la lappe, là, qu'elle aille chez Aya Robert. Ça veut dire que tu as soulevé femme là sur ta tête. Aujourd'hui, te voilà. Tu dors dans... Ça veut dire tu dors dans sous-sol où on garde voiture. Là. C'est là-bas tu dors. Tu as mis ton matelas là-bas. Dans ton garage là. C'est là-bas tu es en train de dormir. Parce que ta femme t'a jeté à la rue. Faut pas penser à comment tu vas faire pour t'en sortir dans la misère dans laquelle tu es. Faut t'asseoir, essayer maintenant de... Ça veut dire de... soi-disant valoriser Aya Robert, qu'elle a demandé pardon. Donc, maintenant, c'est bon. C'est vous qui allez décider quand c'est bon. Hé, hey, Jessie, c'est vous qui allez décider quand c'est bon. Façon, elle a commencé, là. C'est nous qui allons décider quand on veut arrêter ou pas. Toi, tu es censé fermer ta gueule, Jessie. Oui. Toi, où tu es là, tu es censé fermer ta gueule parce que tu as un sous-fifre. Tu es un sous-fif, tu n'es personne, Jessie. Demain, là, elle va marcher sur toi avec ses ongles écaillés. Là. Elle va marcher sur toi. Parce que tu es un sous-fif. Oui, tu es un bon à rien, tu ne réussis à rien dans ta vie. Même avoir maison, ça veut dire toi-même dans ta maison, te chasse. Ça veut dire maison, ça veut dire, femme est censée venir chez toi, hein, mais femme même te chasse de la maison. Oui, oui. Ta femme te chasse de la maison, tu es obligé d'aller dormir dans le garage. Toi-même, là, tu es un sous-fif, tu es un bon à rien. Pitiation pour tes parents qui t'ont emmené en Europe, qui pensaient que tu allais faire quelque chose pour pouvoir les aider un jour. Alors que toi-même, tu n'arrives pas à t'aider. Tu es un portier, tu portes sac à main de tes camarades. À cause de ça, tu vas venir insulter Maman Bleue Brigitte pour défendre Aya Robert, l'orpheline de la toile. L'orpheline de la toile, elle ne sait pas. Qui est, ça veut dire, même ton papa, Jessie Aya Robert, peut mougou ça. C'est moi qui te dis. Même ton papa, elle va. J'ai dit, ton papa, là, elle peut s'asseoir, elle peut mougou ton papa, et puis te donner. Ça, elle peut. Bon, elle ne pourra pas te donner petit frère dedans parce que son ventre est déjà cimetière. Mais si elle pouvait mougou et puis te donner petit frère dedans, tu allais voir clair dedans. Cette femme-là, c'est la plus grande porte-clé de Facebook. Et toi-même, tu es son client premier. Peut-être même que Jessie Amougou Aya Robert, voici pourquoi sa femme aussi l'a jeté dehors. C'est une question. Oui, oui. Parce que de toute façon, on vous voit traîner tout le temps ensemble. Là. Et puis, je sais qu'elle, là, son niel, là, il s'ouvre comme porte de métro. Ça s'ouvre comme porte, ça s'ouvre vite comme ça. Donc, peut-être que Aya Robert, même Amougou Jessie,
Voici pourquoi il est dans ses narines depuis. Depuis là, ça ne finit pas. Aïe, Robéo. Aïe, Robéo. Aïe, Robéo. Faire boire de l'eau froide, vous allez faire hier m'étouffer ici. Oui, oui. Toi et Aya Robert, là, vous avez dû faire quelque chose ensemble. Oui, oui. Parce que bizarrement, et dans toutes les personnes de la toile, là, tu ne défends pas aussi bien les gens que Aya Robert. Pourtant, ce qu'elle a fait, là, tu sais très bien que c'est mauvais. Mais de toute façon, tu la défends. Il faut dire la vérité, Jessie. Tu es... Ça veut dire, toi et Aya Robert, vous avez Mougou, non? C'est pour ça qu'aujourd'hui, ta femme t'a laissé dehors. Peut-être que même elle a vu vos messages. Peut-être qu'elle t'a déjà envoyé son nièle ou son nièle. Ça veut dire son nièle vertigineux. Là. Son nièle moisi. Là. Elle t'a déjà envoyé sa photo. Peut-être la femme est tombée dessus. Voici pourquoi aujourd'hui, elle t'a mis dehors. Elle pensait que tu étais bon mari. Elle ne sait pas que toi-même, tu cherches client. Elle ne sait pas que toi-même, tu es un chercheur de clients. Que tu es une poque. Ça veut dire que tu es une poclée moins chère. Jusqu'à ça, avec Aya Robert, tu vas Mougou. Et Jessie. Elle, de toute façon, elle aime homme marié. De toute façon, Aya Robert aime homme marié. Tu es tombé dans ses griffes comme ça, gros. Voici aujourd'hui ton foyer est brisé. Te voilà, vous savez, te voilà maintenant à dormir dans le garage, dans hangar, dans petite chambre. Il a dit, va chez elle. Hein. De toute façon, tu veux la soulever là. De toute façon, tu veux la défendre là. Parce que tu n'as jamais défendu quelqu'un de la Ligue Bias comme Aya Robert. Tu n'as jamais défendu quelqu'un comme ça. Donc, ce que tu as fait, je ne sais pas si elle a englouti, si elle a englouti ton bangala dans sa bouche jusqu'à elle a fait quelque chose que ta femme elle-même ne peut pas te faire. Et puis, depuis, tu veux charger sa vie sur nous, là. Yeri, ce que tu as fait, là, faut aller là-bas parce que où tu es, là, tu es tombé, ça veut dire, tu es tombé dans la malédiction la plus profonde parce que cette femme-là, c'est un zombie. Oui, cette femme, elle a deux faces cachées, c'est un zombie. Mais toi-même où tu es là, ça ne m'étonne pas. Parce que toi-même là, même si le diable t'employait là, t'allais aller. Même si le diable avait mis une demande d'embauche là, tu serais parti déposer ton CV. Tellement que tu es con. Tellement que tu es bête. Tellement que tu cherches à tout prix avoir le succès. Tu veux passer par tout pour avoir le succès, Jessie. Tu es capable même, ça veut dire, d'aller travailler pour le diable. Même s'il dépose candidature pour dire, il y a un travail en enfer là, tu vas aller, Jessie. Un mouton comme toi, tu veux parler avec ta grosse gueule là? Un mouton comme toi, sous fifre là. Tu peux ouvrir ta large bouche, on dirait anus de babouin pour venir parler? Ta bouche même qui pèse plus que ton corps là. Tu peux venir t'asseoir et puis venir parler de maman des gens? Tu n'arrives même pas à envoyer même ne serait que 1000 francs à ta mère chaque fin du mois. Et puis c'est toi qui vas t'asseoir pour demander à une autre mère d'être âme pendant qu'on l'insulte? Yannick Jessie, va demander à ta maman d'être humble. Demande à ta maman d'être humble. Oui, oui. Quand les gens ne veulent pas réduire le prix au marché, il faut lui demander d'être humble. Quand quelqu'un marche sur son pied, là, demande à ta maman d'être humble. Sinon, nous, notre maman, là, on ne lui demande pas d'être humble. Elle n'a pas besoin d'être humble. Où elle est là? Elle est assise sur son trône. Où elle est là? Elle a plus que raison. Où elle est là? Si elle veut, là, elle a qu'à déjà foutre chiffler dans le tas. Si elle veut, elle a qu'à maudire toute votre lignée. C'est elle qui a raison. C'est elle qui a raison aujourd'hui, c'est elle qui a raison demain. Et tu ne peux rien dire à part fermer ta gueule, Jessie. Parce que où tu es là, tu es une peau-clé. Tu es une prostituée son nom. Oui, oui. Un homme qui se prostitue à la première venue. Un homme qui est capable de coucher avec un cadavre qui est déjà décédé. Tu es allé coucher avec un cadavre qui est déjà décédé, Jessie. Tu mougou avec un zombie, une orpheline. Quelqu'un même qui a mougou avec son propre paternel, tu vois. Tu as mougou avec elle. Toi-même, tu es déjà maudit, Jessie. Tu as mougou avec Aya Robert qui a déjà mougou elle-même avec son paternel. Ça veut dire toi-même, Jessie, tu es déjà maudit. Oui. Toi-même, Jessie, tu es déjà maudit. Si c'est succès, tu cherches là. Tu vas trouver ça. Merci, Rokaya, pour les 200 étoiles. Si toi-même, c'est succès, tu cherches là. Tu vas trouver ça. Walei Bilei, tu vas trouver ça. C'est succès, tu veux, non? Tu vas trouver ça. Parce que si tu penses qu'il faut descendre dans la boue pour avoir succès là. Parce que tu vas dire, oui, tu es égoïste. En fait, tu es jaloux. Tu es un jaloux. Et la jalousie ronge ton corps. La jalousie ronge ton corps.
Tu es jaloux, ça n'en finit pas. J'ai dit quand AP était en Côte d'Ivoire là-bas, j'avais vu ton direct. Où tu étais en train de dire, oui, AP égoïste, AP comme si, il se prend. J'ai dit, Jessie, AP là, il s'aime avant tout. Si toi, tu ne sais pas t'aimer, lui là, il s'aime avant tout. Il ne va pas prendre sa page et puis venir mettre photo de Jessie alors que lui, lui-même, il est en train d'essayer de se lever. Il ne va pas prendre sa page pour venir faire ta publicité forcée alors que lui-même, il doit faire sa propre publicité. Oui. Lui-même, il s'aime. Voici pourquoi il réussit. Parce que toi, comme tu ne t'aimes pas là, voici pourquoi tu es toujours derrière. Tu es le dernier de la classe. J'ai dit, tu es le dernier de la classe, Jessie. Après toi, là, il n'y a personne. Ça veut dire derrière toi, mais il n'y a personne. Tellement que tu es au fond de la classe. Tu fais pitié. Tu fais vomir. Tu es jaloux de Apuchu. C'est tout. Parce qu'il a le succès. Oh, Apé n'a pas insulté pour arriver là où il est. C'est pas même un jour qu'il a fait là. Donc, tu veux, ça veut dire que toi aussi, tu penses qu'en injurant, tu vas avoir le succès. Laisse-moi te dire que tu n'auras rien du tout. Oui. Laisse-moi te dire que tu n'auras rien du tout. À part aller laper, manque déjà moisi de Aya Robert. Tu n'auras rien du tout dedans. Parce qu'elle-même, où elle est là, elle-même, c'est une réfugiée. À part peut-être l'aider. Peut-être si tu... Je ne sais pas si tu as papier. À part peut-être l'aider à pouvoir avoir papier, je ne sais pas ce que tu pourras faire dans ta... accomplir dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu pourras accomplir dans ta vie, Jessie J. Toi-même où tu es là, toi-même où tu es là, tu as un problème dans ta vie. Déjà que toi, tu es garde du corps. Il s'appelle comment déjà? Comment on appelle ça? Les vigiles. Déjà que tu es vigile. Parce que APF a dit qu'il est venu en France pour être vigile et qu'il s'est retrouvé star. Tu dis que le métier vigile, là, APF a dénigré ça. Il n'a pas dénigré ça. Mais moi, je vais dénigrer. Oui, tu es vigile. Tu es vigile. Ça veut dire toi-même, ton métier même, à l'effigie de ce que tu représentes. Un portier. Un garde du corps. Ça veut dire toi-même, tu n'es pas valorisé. On passe à côté de toi, on ne te regarde pas. On passe à côté de toi, on ne te regarde pas. Oui. Et puis, c'est toi qui... C'est la toile qui va te permettre aujourd'hui, toi, d'ici, de t'asseoir et puis de te jouer les stars. Quand on vient, quand on te voit habillé en noir, peut-être avec tes chiens ou quoi, on ne te regarde pas, on ne te voit même pas. On passe comme ça. Oui, oui, tu es vigile, on passe comme ça, on ne te regarde pas. Ça veut dire même clin d'œil, on ne te fait pas. Tellement que tu n'existes pas. C'est la même chose que tu es sur Facebook, tu n'existes pas, tu n'auras pas de succès. Jessie, tu n'auras pas de succès. Parce que toi-même, là, ton cœur n'est pas bon. Toi-même, là, ton cœur est noir. Ton cœur est noir. Le charbon, même. Le charbon est ancré dans ton corps. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu n'arriveras pas quelque part. Tous où vous êtes, là, vous n'arriverez pas quelque part. Regardez la Ligue des bières. Ligue Bias. Oh, la Ligue Bias, c'est mieux que le comité. La Ligue Bias, c'est mieux que le comité. Aujourd'hui, la Ligue Bias, c'est où? La Ligue Bias, là, aujourd'hui, ils sont où? C'est pas Lolo Beauté elle-même qui est venue dire qu'il n'y a plus de Ligue Bias. Oh, la Ligue Bias, c'est mieux. Eux, au moins, ils se soutiennent. Eux, au moins, ils se comme si. Au moins, ils se comme... Aide-moi à détester, là. Vous allez s'en mêler quelque part. Aide-moi à détester l'aigreur, là. On vous a dit que ça permet de réussir. L'aigreur, là. On vous a dit qu'on peut former équipe d'aigreur et puis arriver quelque part avec. Merci Miel Sucré pour les 200 étoiles. On vous a dit qu'on peut former la méchanceté et puis faire une équipe et puis grandir avec. Jamais de la vie. Les personnes qui ne faisaient pas partie du comité des blogueurs influenceurs sont sorties dedans. Les personnes qui étaient aigries, qui étaient noires, qui étaient méchants. Ces personnes qui étaient malotrues, là. Ils sont sortis du comité des blogueurs et influenceurs. Mais Jessie, le chien pensé, oui, oui, Jessie, comme je vois que tu viens d'arriver. Jessie, le chien pensé, ça veut dire la prostitute de Jessie, là. Lui, là, il n'a pas encore compris sa place. Il allait se fourrer dans la Ligue des Bières quand je suis vice-président. Quand je suis vice-président, Ligue de Bières maintenant arrivée où? Ligue de Bières dans laquelle tu étais, Jessie, ça arrivait où? Explique-moi, comme tu es là, je te pose la question. La Ligue de Bières dans laquelle tu étais, elle arrivait où?
Donc c'est Aya maintenant, comme tu l'as, ça manque pourri là. C'est à cause d'elle maintenant, tu vas venir t'asseoir sur ma maman bleue Brigitte. Est-ce que Jessie, je te réitère la question, est-ce que toi-même tu aimes ta mère? Est-ce que toi, Jessie Boka, tu aimes ta mère? Parce que je ne pense pas. Je pense que en fait, tu es une honte même pour ta mère. Oui, oui, tu es une honte même. Ça veut dire que dans toute ta lignée là, tu es la honte de toute ta famille. Parce que le fait de voir une mère être insultée et puis de dire que cette mère n'est pas humble, c'est que toi-même, là, tu es la honte de ta famille. Tu es la honte, tu es le plus maudit de toute ta famille, Jessie. C'est moi, Quincy, qui dis ça. Tu es le plus maudit de toute ta famille. Il faut aller demander à ta maman d'être humble. Va demander à ta maman que si quelqu'un marche sur son pied, là, elle a qu'à être humble. Parce que si la personne a demandé pardon, là, elle n'a qu'à accepter. Si la personne qui a marché sur le pied de ta maman a demandé pardon, là, dis à ta maman d'accepter. C'est à ta maman d'être humble. Sinon, nous, notre maman, là, elle est dans sa raison. Et nous, nos enfants, là, on comprend ça et on accepte. On comprend ça et on accepte. Plein qu'elle a posé, là, elle va rester pire. Et puis, Aya Robert, là, dis-lui qu'elle va finir au newf. Qu'elle aille se faire foutre. Qu'elle aille, ça veut dire qu'elle aille tomber dans l'océan Atlantique. Qu'elle aille se noyer dedans. Dis-lui ça. Oui, oui. Moi, il dit, Aya Robert n'a qu'à plonger dans l'eau Atlantique. Là. Elle a qu'à aller se noyer dedans. C'est moi, Quincy, qui dis ça. Va lui transmettre mon message. Faut pas aller t'occuper de ta femme que tu as trompée avec cette porclée, avec ce zombie. Là. Faut pas aller t'occuper de ta femme bête. Là. Faut pas aller t'occuper d'elle. Faut rester là, t'asseoir sur Facebook et venir parler mal de la mère des gens pour avoir le succès. Change de métier d'abord. Le métier où on ne te regarde pas, ton métier de gardiennage où on ne te regarde pas, là, faut aller changer ça. Oui, va dans un bureau, va dans un endroit où on va te remarquer, où au moins on pourra voir que tu es quelqu'un. Mais dans ta vie même, dans ta vie actuelle même, tu n'es personne. On ne te remarque pas. Personne ne parle avec toi. Dans ta vie actuelle, personne. Et encore sur Facebook, tu es sous-fifre des gens. Porte-clé. Sur Facebook même, tu es garde du corps. C'est-à-dire ton travail, quand tu te lèves à 5h du matin, tu vas faire gardiennage, tu es garde du corps. Mais sur Facebook aussi, tu te lèves, tu allumes ta caméra, tu fais garde du corps. Pitiation à toi, Jessie. Tu fais pitié. Ouais. Tu fais pitié, vraiment. Et puis, c'est ça aussi qu'on appelle garçon. C'est ça aussi qu'on appelle blogueur. C'est ça aussi qu'on appelle l'homme. Ouais. Toi, tu vas venir parler de maman bleue Brigitte. Pour avoir des vues. Toi, tu vas venir parler de maman bleue Brigitte pour avoir des vues. Tu es le plus maudit de toute ta famille d'ici. Tu es un homme maudit. Tu es maudit, Jessie. Toi et ta camarade Aya Robert, vous êtes maudit. C'est moi qui dis ça. Comme elle a demandé pardon, il faut lui dire que son pardon, qu'elle se fourre là où je pense. Son pardon qu'elle a fait là, qu'elle a qu'à se fourrer dans tous les trous où, ils sont, où tous les gens sont passés. Qu'elle a qu'à fourrer ça partout. Ou qu'elle a qu'à sniffer ça comme la droguée qu'elle est. Tu as compris? Son pardon qu'elle sniffe ça. Elle a qu'à sniffer ça. Parce qu'on ne fait rien avec son pardon, c'est vent ou à gauche. Son pardon là, qu'elle a qu'à prendre ça et puis elle qu'à avaler. Si elle veut, elle a qu'à aller chier ça. On ne fait rien avec son pardon. Continue d'aller la maplo. Continue d'aller la nioxer. Oui, il faut aller casser son rein là-bas. Mais libère ma maman. Libère maman bleue Brigitte. C'est pas avec elle que tu vas avoir le succès. Toi-même, là, Facebook, là, tu vas pas aller quelque part avec. Toi-même, Facebook, là, Jessie, tu vas pas aller quelque part avec. Wale. Tu vas pas aller quelque part avec Facebook. Facebook va jamais te grandir. Succès que Apoutu, il a eu grâce à Facebook, là, tu n'auras jamais. Au nom de Dieu, tu n'auras pas. Continue à être garde du corps. Garde du corps sans salaire. Ah si, pardon, j'ai oublié, on te paye en nature. Continue à être garde du corps payé en nature, en tout cas. Mais sache une chose, c'est que toi-même, Jessie, là, tu n'aimes pas tes parents. Tu n'aimes pas ta maman, celle qui t'a porté 9 mois, qui t'a éduqué, qui t'a élevé jusqu'à aujourd'hui. Tu es devenu un homme de je ne sais quel âge là. Tu n'aimes pas ta mère.
parce que injure et profanation que Aya Robert a dit à l'encontre de Bleu Brigitte. Si on aurait dit ça à ta mère, ça m'étonne. Donc, en fait, ça m'étonne que tu auras accepté. Mais comme je vois que tu es un porte-manteau, peut-être qu'en fin de compte, tu aurais dit aussi à la personne qui a insulté ta mère de cette manière, ah, vraiment, on a compris, on accepte ton pardon. Peut-être c'est ce que tu aurais fait, en tout cas. Peut-être que c'est ce que tu aurais fait. On a fait longue communiqué. Oui, moi en tout cas, je ne pardonne pas. Tout ce qui est dans le pardon pas. Toi, tu sais ce qu'on appelle je ne pardonne pas. Toi, la façon tu as insulté les Burkinabés, les trucs, si les Burkinabés voulaient s'élever contre toi, c'est pas Eddie, ils vont prendre pour mettre dans tes fesses pour te dégonfler. Tu vas te dégonfler pff, ici. Un pôle, et tu as insulté les Guinéens, insulté les Camerounais, insulté les Congolais, insulté les Burkinabés. Ils t'ont attrapé à château de même ton coton. Toi, ton palmarès est éloquent si c'est Facebook ici. La fille a déraillé, elle a fait une sortie de route. Tout le monde a parlé. Vous-même, vous savez que si Facebook ici, là, quand tu prends une position, tu dois rester sur ta position. Il ne faut jamais capituler, sinon on ne va jamais te respecter. Et la fille connaît le code de Facebook. Elle sait qu'elle ne voulait jamais demander pardon. Mais elle respecte Yaka Yaka. Elle respecte les mamans. Elle respecte Francine Ba. Elle respecte ses... Merci. Une chose vraie que tu as dit, elle ne voulait jamais demander pardon. Elle qui dit que personne ne peut me forcer. Ce n'est pas le direct qu'elle a fait. Personne ne peut me forcer à dire pardon. Toi-même, tu viens de dire dans ton direct qu'elle ne voulait jamais demander pardon. Merci, Jessie. Merci pour la seule chose vraie que tu as dit dans ton direct. Elle ne voulait jamais demander pardon. Mais c'est à cause d'eux qu'elle a demandé pardon. Voici pourquoi on a dit son pardon n'était pas sincère. Oh oui, personne ne peut me forcer. Même mon père. Ton père même, c'est qui? À part ton mougouli. Toi-même, ton propre père que tu mougou. Ton père, c'est qui? Et puis, tu vas venir jurer sur ton père. Quand même, mon père ne peut pas me forcer. Une menteuse comme ça. Toi-même, tu as dit, Jessie, dans ton direct, qu'elle ne voulait pas demander pardon. C'est toi-même qui l'as dit. Le garde du corps. Garde du corps payé en nature. Merci, en tout cas, pour cette vérité-là. Je remercie maman Bleu Brigitte parce que elle n'est pas sortie pour vous donner ce que vous voulez, ce que vous attendiez d'elle. Elle n'est pas sortie pour vous donner ce que vous attendiez. Parce que vous attendiez, en fait, de l'insulter et puis elle allait allumer sa caméra et puis elle allait être bloqueuse. Sauf qu'elle n'est pas bloqueuse. Je le rappelle, Bleu Brigitte Agbré est une comédienne, actrice. Voilà, c'est une comédienne et une actrice. Donc, elle n'est pas blogueuse. Voilà. Elle n'est pas non plus influenceuse. Elle est une star du milieu de la comédie et du cinéma. Voilà. Ce n'est pas une blogueuse. Et son métier de star du cinéma lui permet de pouvoir faire des placements de produits. Son métier de star, de comédienne, lui permet que des personnes aient confiance en son image pour pouvoir les aider à vendre leur entreprise. Et ce qui m'a plu chez ma maman, c'est qu'elle n'a pas fait ce que vous attendiez d'elle. Parce que toi, Jessie, toi le malheureux de ta famille, toi le plus maudit de ta lignée, toi-même, là, tu attendais qu'elle sorte. Parce que ça veut dire chaque fois qu'elle prend sa caméra, comme tu l'as dit, oh, tu t'amuses avec nous, tu t'amuses avec les gens. Quand tu allumes ta caméra, on pense que tu vas venir parler alors que c'est pour vendre produit. Donc, ça veut dire que vous l'attendiez au tournant. Ça veut dire que vous attendiez maman Bleu Brigitte au tournant. Et chaque fois qu'elle allume sa caméra, vous dites, attends, elle va venir parler. Attends, donc ça veut dire que vous êtes campé sur sa page pour voir à quel moment elle va sortir. Et comme elle ne vous donne pas ce que vous attendiez, là maintenant, vous venez vous en prendre encore à elle. Mais si elle vous avait donné, oh, c'était gâté.
voici ça, regardez ce qu'elle a dit, voici ceci, voici cela. Mais elle n'est pas venue vous répondre. Elle n'est pas venue vous donner l'heure. Chaque fois qu'elle met sa caméra, c'est pour faire son travail. Parce qu'avant tout, c'est une maman qui a été salie. Elle n'a pas besoin de venir rétorquer. Parce que quand une maman a des enfants, elle n'a plus besoin de se défendre elle-même. À un moment donné, la mère met au monde des enfants. Elle les accouche, elle les élève, elle les éduque. Un jour, ils grandissent. Et puis, c'est au tour des enfants de protéger leurs parents. C'est comme ça le cycle de la vie. Donc, elle n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche et de venir parler. Parce que nous, ses enfants, on va parler à sa place. On va la défendre. On va se battre à sa place. C'est elle maintenant notre bébé. Voilà, nous on est grands. Maintenant c'est elle notre bébé. Donc ce que vous attendiez d'elle là, on va vous donner ça pour vous. On va faire ce que tu attendais qu'elle fasse direct là. Moi-même je vais faire. Moi-même je vais faire. Comme a foutu ces garçons là. Moi je vais faire ça pour vous donner. Quand vous allez sortir, parler d'elle, je vais sortir. Que ce soit, peu importe. Je ne réponds pas au rat, mais peu importe ce que vous allez dire, je vais ouvrir ma caméra et je vais venir parler. Je vais venir défendre ma maman. Oui, oui. Parce que quand elle allume sa caméra, elle fait son travail. Elle vend ses produits. Elle fait son business. C'est ça qu'on appelle une maman. C'est ça qu'on appelle une maman. Parce que vous voulez la voir se rouler dans la boue pour venir dire, vous avez vu? On vous avait dit, Bleu Brigitte est comme ça. Bleu Brigitte est comme ci. C'est ce que vous attendiez. C'est ce que là, à l'heure actuelle, vous attendez. Mais elle ne vous donne pas ça. Elle ne vous donne pas ça. Même si elle a mal. Parce que oui, elle a mal. Je vous le dis. Ma maman a mal. Elle est blessée. Mais elle ne va pas vous donner ce que vous attendez d'elle. Elle ne va pas se salir et se mettre au niveau des pigeons et puis des cafards. Parce que votre race, là, elle va être en voie d'extension. Oui, oui. On va vous éteindre ici sur Facebook. Savez, votre race, là, on va éteindre ça sur Facebook ici. Vous allez être en voie de disparition. Bientôt, là, on va vous compter par un seulement. Bientôt, là, on va vous compter par un seulement. Comme les animaux rares. Donc, si vous pensez qu'elle va allumer sa caméra pour parler, pour venir répondre à Aya Robert, mais qui? Et puis, on va lui répondre. Aya Robert, mais quoi? C'est quelle chose? Quel instrument de musique? Quel instrument même? Ça veut dire quel instrument psychique? Et puis, on va venir lui répondre. Aya même, c'est quoi? C'est nom de quoi? Nom de quoi? Bah, ou c'est nom de quoi? Aya Robert, c'est quoi? Quand tu allumes ta caméra, au lieu de venir parler, tu vends tes produits. Tu fais espérer les mamans qui avaient pitié de toi. Ah, donc c'est ce que vous attendez. Mamans qui ont pitié d'elle là, ils savent comment l'appeler. Mamans qui ont pitié d'elle là, ils savent comment la réconforter. Ils n'ont pas besoin qu'elle fasse direct. Oui, parce que ces mêmes mamans ne feraient pas ça. Donc elle aussi, elle ne fait pas ça. Elle ne fait pas direct. C'est pas votre camarade, c'est pas une blogueuse. Oui, c'est une actrice du cinéma et une comédienne. Elle fait du théâtre. Elle fait de la comédie. Elle joue dans des films. Elle n'a pas votre temps. Ton niveau de vigile ou de garde du corps, là, elle n'est pas là-bas. Oui. Quand ma maman passe là, toi, tu ne regardes pas. Parce qu'un vigile n'a pas le droit de regarder. Ça veut dire que tu n'as pas le nom. Ça veut dire, un garde du corps, là, il ne regarde pas son employeur dans les yeux. Il baisse les yeux. Il regarde. Ça veut dire, il fixe. Ton regard doit être inerte parce que tu n'existes pas. Un garde du corps, là, n'existe pas. Il est comme, ça veut dire, il est comme porte. Donc, quand ma maman rentre là, tu baisses tes yeux. Oui, fais ton travail. Elle n'est pas ta camarade, Jessie. Tu as compris? Elle n'est pas ta camarade. Je n'ai pas envie d'écouter tout en direct, mais j'avais envie de te répondre. Faut aller t'occuper de ta femme qui a été trahie par toi, là. Hein? Va t'occuper d'elle. Voilà. Va aider ta femme à reprendre confiance en toi, au lieu d'aller laper manque pourri, là. Tu as compris? Sinon, histoire qu'elle a là, maman Bleu Brigitte a raison aujourd'hui, elle a raison demain, elle a raison après-demain. Et sa raison encore plus forte, parce qu'elle n'est pas venue vous donner ce que vous attendez d'elle. Donc toi qui dis que les gens qui ont raison et qui abusent de leur raison, elle n'abuse pas de sa raison. Elle n'a pas abusé de sa raison, oui.
Elle est restée dans son coin. Elle a mis son message parce qu'elle était blessée. Et après, elle a retiré son message. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours mal. Parce que vous jouez avec son nom comme frisbee. Vous jouez avec son nom comme volleyball. Quand on va jouer aussi avec le nom de vos parents, vous allez dire qu'on est impoli. Quand on va jouer avec le nom de vos parents, vous allez dire qu'on est impoli. Mais comme on n'est pas de la même classe sociale, on va rester tranquille. À vous seul, on a beaucoup de choses à dire sur vous. Toi, Jessie, même, ça veut dire toi-même ton modèle, là, ton modèle d'Africain, là, on ne voit même pas dans toi. Tu es comme le noir absolu, quand on éteint la lumière même. Ça veut dire que tu es comme, je ne sais pas, ça veut dire que même dans le jour, tu es la nuit. Même dans le soleil, tu es la nuit, on ne te voit pas. Ça veut dire que tu es, même Sénégal, ça veut dire, tu vois les Sénégalais teint ciré, là. Et tu es encore plus noir que Sénégalais teint ciré. Ton, ça veut dire ton, au moins, les Sénégalais teint ciré, là, tu vois, ils ont un joli teint. Il y a des gens qui sont noirs, et puis ils ont un beau teint. Tu vois, le teint est ben beau, hein. Mais toi, ton teint est sale. Et puis dans ton noir encore, là, tu as Kanto dedans. Dans ton noir serré, noir, noir, là, tu as Kanto aussi dedans. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Va au Sénégal, tu vas demander comment les gens font pour se laver, parce qu'ils sont toujours propres. Oui. Va en Afrique chez les Peuls, là. Tu vas leur demander avec quoi ils se lavent pour avoir un joli teint comme ça. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui est noir et puis on dirait qu'il a gale sur lui. Il est noir et puis c'est lui qui a Kanto sur lui. Tu es noir, on dirait soleil de minuit. Et puis toi encore, tu as bouche pour parler. Il y a même ta bouche. Il y a même forme de ta bouche. Oui, tu veux parler avec moi? Regarde-moi bien. Sans maquillage, hein. Parce que vous dites que c'est maquillage qui fait ma beauté. Là où je suis, là, je me suis levé à 6h du matin. Il y a mes seins. Il y a mon visage. Sans maquillage. Oui, regarde mes tresses de chez Emily. Oui, oui. Je suis coiffée par une coiffeuse parisienne. Pas n'importe qui. Moi, c'est pas vos blogs imbracata. Vous allez, savez, vous ne gagnez rien dedans. Oui, oui. Moi, là, c'est le haut level. Tous ceux qui m'approchent, là, c'est toujours le haut level. Tous ceux dont je fais la publicité, c'est toujours le haut level. Je ne vends pas du rêve aux gens. Je ne vends pas du rêve aux gens. Regarde-moi comme ça. Regarde mes mains. Regarde mes mains. Regarde même mes bras. Regarde même, savez, regarde même ma poitrine. J'ai pas maquillage sur mon visage. Là, tu peux déceler même les petites taches sur mon visage. Ça veut dire, je suis belle, ça finit pas. Même dans fatigue, même dans négligement, je suis belle, ça finit pas. Mais toi, mon gars, tu es noir. Ça veut dire, tu es noir comme ça, là, comme le derrière de ça. Et puis ton teint n'est pas beau. Pourtant, les gens qui sont foncés de peau, là, c'est eux les plus beaux. Les gens qui sont foncés de peau, là, c'est eux les plus jolis. C'est moi qui dis ça aujourd'hui. Les personnes noires de peau, là, c'est les personnes les plus belles. Parce qu'elles ont un teint propre. On voit même pas tache sur le visage. Mais voici toi avec Kanto sur tes mains. Attends, je vais te montrer une photo. Juste pour, tu vois, juste pour te rappeler un peu. Quelqu'un qui ne se lave pas. Quelqu'un qui ne se lave pas. Il va venir parler aussi de maman des gens. Non. On va tout voir sur Facebook. Ouais, Facebook donne des ailes. Hein? Regardez. 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 Depuis quand un noir, t'as charbon comme lui, peut avoir des cantos. Regardez. Ça veut dire même toi-même là, ton choco, ça veut dire choco même, on ne sait pas ce que choco tu mets. On peut être, ça veut dire, regarde visage, même couleur que lunettes, et puis regarde les mains. Regardez les mains de la gloire. Regardez. Kento, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez, doigt même est en zigzag. Tes doigts même ne sont pas droits. Et puis c'est ça, tu vas fourrer dans rien des gens. Regardez-moi ça. Regardez-moi. Regardez-moi les doigts de l'homme. Et puis avec ça aussi, on met ça dans rien des gens. Si ça, avec ça là, si tu n'as pas eu herpès. Si avec ça là, tu n'as pas eu sida. Avec doigts comme ça là, si tu n'as pas une maladie contagieuse. Je ne sais pas. Ça là même, c'est doigts qui rend stérile. Peut-être même c'est toi-même qui as rendu Aya Robert stérile. Toi-même, peut-être même avec tes doigts là, c'est toi qui as rendu cette pauvre femme là stérile. Oui. Parce qu'avec doigts comme ça, doigts même, on dirait... Ça veut dire, quand tu regardes même les doigts, là, on dirait bâton de stérilité.
d'infertilité. T'as vu? C'est pour rendre les gens infertiles. Ça là même là, rien même comme le doigt est penché. Et moi, je mets mes doigts comme ça, ils sont droits. Hein. Regardez mes doigts. Ils sont droits. Mais regardez pour lui. Il y en a un qui fait zigzag même dedans. Regardez les doigts de l'homme. Et puis ça encore, avec ça, tu peux doigter quelqu'un. Ah, mais si tu doigtes la personne va devenir... Ça veut dire, la personne même n'a... Ah, règle même va finir dans son corps. Ça, c'est les doigts qui donnent maladie. C'est les doigts qui donnent champignons aux gens. C'est les doigts qui donnent infertilité. Les doigts, le doigt de la gloire. Avec ça, là, comment tu veux pas que ta femme devienne folle? Elle est devenue folle. Tu es sale comme ça, et puis c'est toi qui as ta soie, et puis tu vas venir parler de maman des gens. On peut être sale comme ça ce soir. Ça veut dire, un noir qui est sale. J'ai jamais vu ça. Les noirs, là, ils sont propres. Mmh. Les hommes noirs, là, ils sont propres. Ils prennent soin d'eux. Ils sont toujours bien beaux, bien chic. Les teints chocolat, là, toujours bien propres, chic. Mais voici un noir. Son teint est sale. Ça veut dire, lui-même, on dirait, il a gale. Et puis, il faut voir ses doigts. Doigt en dieu, ça veut dire que en dieu, ça veut dire doigt en dieu. Hey, Jessie, tu n'as pas pitié de toi. Hein? Non, tu n'as pas pitié de toi. Tu n'as pas faut aller soigner maladie qui est sur tes doigts là. Les champignons qui sont sur tes doigts là, va soigner ça. Parce que ou à l'heure où Aya Robert est là, tu l'as rendu stérile comme ça à vie. Tu l'as rendu stérile comme ça à vie. Oui. Parce que si tu as fourré ton doigt dans sa chose là-bas, déjà que c'est pourri, avec ça, mais toutes les maladies, ça là même, ça donne tuberculose. Doigt ça là, ça donne tuberculose. Diabète même rentre dedans. Ulcère rentre dedans. Si doigt là a mis, s'il a mis son doigt dans ton truc, tu as toutes les maladies du monde. Problème de foie, problème de rein, problème de, ça veut dire problème de cœur. Cancer même arrive dans ton corps. Doigt cancérogène comme ça. Imbécile. Qu'il faut être humble. Faut pas aller soigner ton doigt qui n'est pas humble. Faut rester là. Tu vas parler de maman des gens. Kounia mamao. La famille, je vous fais de gros bisous. C'était Kunsi Femme Bénie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les prochains directs. Et surtout de partager le direct. Voici la coiffure que j'ai fait par Emily Coiffure. Voilà, c'est un tie and dye rouge. Vous voyez, non? Voilà, c'est bien fluide, bien léger. Voilà, vous voyez, bien tressé, bien coiffé. Voilà, en plus, en ce moment, j'ai, comme je suis beaucoup stressée, j'ai beaucoup de chutes de cheveux, mais elle a réussi à bien camoufler un peu mes problèmes, voilà, de mes chutes de cheveux. Donc, vraiment, elle assure vraiment, 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 vraiment beaucoup. Voilà, donc c'est Emily Coiffure qui m'a coiffée. Et puis, ce qui est bien, c'est que ses mains ne font pas mal. Donc, pour toutes les personnes qui craignent beaucoup quand ils se coiffent, qui ont souvent des cheveux crépus, parce que moi, j'ai des cheveux durs. Et moi, j'ai beaucoup de cheveux, mais bien durs, bien secs. Voilà. Et quand elle me coiffe, en tout cas, je n'ai pas mal. Voilà. Donc, appelez le 06 95 57 46 95. C'est le numéro de la coiffeuse. Vous l'avez toute, vous l'avez en barre de description de mon direct. Voilà, pour tous ceux qui veulent réserver une coiffure avec elle, elle fait tout, des nattes collées, des braids, des twists, elle fait tout, des fausses locks, tout ce que vous voulez, elle le fait, et puis elle coiffe bien et elle coiffe vite. Voilà, donc, allez là-bas, elle n'est pas enceinte, son ventre en dirait cimetière là. Enceinte depuis que Jessie a mis son doigt maladif là dans son nien là, elle est encore plus stérile même qu'avant. N'importe quoi. Oh, pardon, elle a demandé pardon, on s'en fout de son pardon. Elle a frappé son aoko avec n'importe quoi. Oh, pardon. Bon, la famille, merci à tous. Voilà, n'oubliez pas Emily Coiffure. C'est la fête en plus. Voilà, même la fête, là, ça dure. Hein. Fête, là, ça endure, en fait. Oui, demain, c'est la fête. Après-demain, encore, c'est la fête. Donc, allez-y vous coiffer. Voilà,
prenez un petit temps, allez vous coiffer pour vous faire un peu belle. Parce que lundi, là, tout le monde doit être belle. Toute la semaine, là. Attendez, appelez-la seulement, vous allez vous coiffer. Oui, oui, vous-même, vous allez apprécier. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez comment je suis bien coiffée. Voilà. Donc, vraiment, allez vous coiffer là-bas. Parce que moi, j'adore. C'est devenu ma coiffeuse attitrée. Parce que quand on a des grands, des cheveux comme moi, des gros grains, c'est pas toutes les mains qui peuvent te coiffer. Parce qu'il y a des mains là, elles te font, ça veut dire, elles t'arrachent les cheveux, elles te font mal, ta tête te fait mal pendant des jours, tout ça. Donc, vraiment, Émilie est la meilleure coiffeuse de Paris. Ça là seulement, voilà. Et moi, toutes les publicités que je fais, c'est toujours des publicités. Ça veut dire que les personnes même qui sont allées tester là, eux-mêmes, ils viennent confirmer. Les personnes qui sont allées tester, eux-mêmes, ils viennent confirmer. Voilà. Donc, on ne fait pas la publicité mensongère ici. On ne s'appelle pas DS Collection. Voilà, balle perdue arrivée. Donc, gros bisous à vous. Ciao, ciao. Et on peut être jolie comme ça. Et puis, il y a des vanille pieds comme ça. Comment on y va? Et même dans le négligé, même si je suis habillée comme Procha, je suis jolie que vous. Oui, c'est moi-même qui dis ça. Je tape ma poitrine ici. Oui, regardez, je suis devenue rouge. Regardez, on parle des temps métis. Toi, tu parles de quoi? Sans produit gagné. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin de mettre des produits éclaircissants quand on a des néons skincare avec nous. Voilà. Quand on a des néons skincare avec nous, on n'a pas besoin de mettre des produits éclaircissants. Mon teint est propre. Donc, Jessie, va prendre grattoir. Tu vas gratter un peu ta peau. Oui, oui. Pour avoir un petit teint ciré. Tu as compris?